accepted you as I have. Même pas peur. Ok, ça frappe à la porte pour de vrai en fait. Alors moi je veux bien l'ouvrir, mais il faut juste que je retrouve le chemin. Oui, bah j'arrive, j'arrive, j'arrive. Avec mon glaive. Bon, d'accord. Alors qui c'est qui frappe comme ça là? Comment on fait pour enchanter? Faut que j'enchante en vert en fait. Moi je veux bien, mais. Faut que je trouve la... M'énerve cette porte là, qui c'est qui frappe?
Non, c'est pas là que je voulais aller. Y a quoi là? Ça, c'est des traces de sang. Regarde en l'air. Parfait ça. C'est la même pièce. Si jamais je la mets, mais pas enchantée. C'est quoi ce bruit? Elle est bruit chez moi en plus. Oui, mais ça j'ai bien compris, mais... De quoi entre les deux portes? Ah, clé du premier étage. Je
sais même plus où je l'ai récupéré celle-là. C'est quoi l'autre clé? Clé de commode. Bah bien joué, hein. Ah bah oui, un moyen de la réparer. Ok. Évite de casser la clé dedans. Voilà. Bon là, il y a des bruits de pas là. Oui, j'arrive, j'arrive. Très bien. Ce serait pas la clé de la commode, ça? Le don d'éternité. Some see them as the meaningless tossing and turning of a brain settling into a restful sleep. Others see them as laden with symbols of our unconscious desires. To still others, dreams represent the upwelling of the archetypes, normally hidden deep within the recesses of the human collective unconscious. Of one thing I am certain. After a brush with the ancients, our dreams metamorphosize into nightmares. You for years, and you ignore all my advances. You dominate my dreams, and I can think of nothing else. I fear I desire you many hundred times more than you love me. My life has become a waking dream, Karim. Karim de Bâche. I have dreamed of an ancient treasure so precious that it changes all life around it. It must be mine, Karim. If you truly desire it, as you say, then you will find the key. Bring this treasure to me, and I will be yours. Both of our dreams will come true. I need nothing more than you. You have enthralled me to the point where I can think of nothing else. Promise, if I leave, you need not worry. I desire nothing more than the treasure that you seek. Leave now, Karim. I shall await you.
Ah, un élu du livre. Anthony. Ah oui, c'est Antoine. T'es armé d'un Scramasax. Donc en fait, il n'y en a plus que. Bah, lui? Ah non, encore deux. Il y en a deux là. Ah, et deux autres. Non. Non, je m'en vais. Allez, salut! Ok. Bon bah dites-le que je suis obligé. Ah bah évidemment. Ah, il y a une rune lui. Je vais te couper le bras justement. Toi, je peux pas te tuer, non? Ah, d'accord. Toujours servir. Ah, c'est moi, c'est moi. D'accord, il n'y avait que ça. Ah
D'accord, j'ai récupéré ça, mais j'ai pas. Pas non. Ça fait rien si je les tue. Sauf à part quelque chose de semblable, le pack de vache. Ah bah oui. C'est une rune ça là-bas, non? Non, c'est... Faut toujours prendre le Tulvar. Ah, d'accord. Ok. Salut Bloobs. Alors je crois que t'étais pas là quand j'avais commencé ça. Mais si ça arrive. Ok. Je suis pas loin d'avoir. Oula. Ok. Oh. Salut Naradoc. J'ai le psychisme qui est à zéro, il va commencer à se passer des trucs. Non, ça va, j'ai réussi à le faire remonter un peu. Mais Karim, il a pas beaucoup de psychisme. Un autre mort qui était ses hommes, les gorges sur le sol. Un parchemin froissé. D'accord. Ouais, je suis au quatrième chapitre. Le premier, c'était un peu des chapitres tuto, hein. Il y en a un qui m'a appris à me battre, l'autre qui m'a appris la magie. Examiner. Un rouleau de parchemin abîmé provenant d'un texte ancien. Ce sort permet le transfert des pouvoirs magiques de l'environnement à la personne qui l'utilise, d'accord. Ce sort est appelé à la santé psychique, physique et psychique de celui qui l'utilise. Il nous faut Narokat et Santak. Ouais, mais je les ai pas. J'ai Xélotate et j'ai ça. Mais j'ai pas ce qu'il me faut. Ok, donc ça. Bah oui, mais j'ai pas le sort pour. Il me faut le sort vert, j'ai pas le sort vert. Ah bah il y a une porte à côté, j'ai pas été voir. Je suis pas allé voir dans la porte. Ok. Allez, reprends un petit peu de psychisme.
Alors là, vous voyez le volume qui se baisse comme ça. Je touche à rien, c'est ce que fait le psychisme. Quand on a des problèmes de psychisme, en fait, le jeu brise le quatrième mur. Donc là, j'ai le volume qui vient de se baisser à fond. En prenant genre un volume de télé. Ouais, j'ai pas cette rune, donc je peux pas passer. Là, c'est un truc basique, hein. Le son qui se baisse, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ah non, pas lui! Attends. Ça lui fait rien du tout. Oh. C'est ça c'est un des trucs. La première fois que ça t'arrive, ça te fait peur quand même. Autant le truc du son, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout. C'est flippant pour la première fois que tu as le son qui se baisse comme ça, petit à petit. Mais le coup du delay de ta save, achève-le. Mais non! Je voulais faire remonter mon psychisme. Donc du coup, ça, Atarbok. Ah bah j'ai 100 tacs. Ouais. Celui-là, je le connais pas. C'était logique que c'était celui-là, que ça soit celui-là. Comment je fais pour assigner? Merde, comment j'avais fait pour la signer? Oh, merde. Ah bah oui, d'accord, à signer. Ça, c'est un truc que fait le psychisme aussi. Puis aussi l'écran qui est de travers, les petits bruits de bébé qui pleurent. Ah non! Tais-toi! Ça, c'est un peu le perso pour te faire tester un peu ton psychisme, hein, vu qu'il en a pas beaucoup. Et dès qu'il a peur, dès qu'il voit un monstre. Pour t'expliquer ce que fait le psychisme dans le jeu. Plafond, mais tu sais, vraiment un tas de gravats qui barre la porte. Cette fameuse salle qu'on a vue avec Kyus. Un grand Ramdao à large lame dépasse d'un vieux envers et attend son prochain propriétaire. Karim Debbache doit-il essayer de retirer l'épée de la pierre? Oui. Parce que sinon, il se passe rien. Voilà. Ah, c'est des monstres violets! Ah oui, c'est vrai, quand j'ai plus de psychisme, c'est ma vie qui descend.
Ok, ça se remet debout, ça. Ah merde, il est pas allongé, l'autre. Voilà, on fait quelques meurtres et ça va beaucoup mieux. Il s'appelle Karim, alors moi je suppose que c'est Karim Debbache. Ça me semble logique. On est en Perse. Ok, vous êtes plus résistant, vous, c'est ça? Ah, on dit que j'ai passé l'épreuve là, c'est bon. Les monstres verts. Ah ouais, ils vont me faire toute la panoplie en fait. Là, c'est vraiment le perso Prince of Persia. Hein. Encore des... Ah, une rune. Ah oui, sur justement, c'est celle-là qui me manque. Tiens. Karim a trouvé une rune magique. Karim va se prendre un coup, ouais. Ah mince. Mince. Mais coupe-lui la tête. Ah mince. Ah d'accord, c'est un petit monstre qui est sorti du truc. J'arrive pas à le tuer, l'autre. Ah mince! Oh non, j'ai pas sauvegardé depuis le début. J'ai pas sauvegardé depuis le début. Karim a perdu son combat contre les Ténèbres éternelles. Sans pouvoir seul pour s'opposer à leur plan diabolique, l'humanité est perdue. Bien joué, Karim. C'est chiant parce qu'avec la manette GameCube, on a un cran. On a un cran sur les gâchettes. Je l'ai pas avec cette manette là, et ça pose des problèmes pour cibler les ennemis. Donc tout ça pour dire c'est de la faute à la manette. Bon, je suis tourné en rond pendant 2 heures tout à l'heure, là maintenant je sais ce qu'il faut faire. Oui, mais j'ai même pas peur. Vous me l'avez fait une fois, ça suffit. Et je sais très bien qu'il y a personne à la porte. Non, ça... Oui, non, mais ça, une fois. Oui. Oh là là, j'ai cassé la clé dans la porte, comme je suis maline. Tout ça pour me faire utiliser le sort. Je sais pas où je suis passé, je suis allé. Ah, elle me marrante la statue là. J'ai pas été là tout à l'heure. Salut. Tiens, c'est quoi ça? Ah non, d'accord, c'est le tableau, je crois que c'était les coussins. Je peux aller voir cette porte tout à l'heure. Clé de la commode. On s'en fout des tableaux, ils sont moches. Faut toujours avoir des balles de calibre 38 sur sa table de chevet. Hein. Ah, curieusement, une intérieur de la commode ne comporte pas de serrure. Ah non, d'accord. J'ai quand même utilisé la clé de la commode. Hein. Ok. Dans la sente. Ok. Les toilettes.
Oh, il y a des trucs, il y a un truc flippant dans la baignoire, non? Voilà. C'était moi. C'était mon visage. D'accord. Une page de journal de Maximilien Rolvas, il est écrit tout ce qui est. Tout ce qui autrefois illuminait ma vie m'entraîne aujourd'hui dans les ténèbres. Je me suis nourri de la vérité, j'ai jeûné dans l'ombre du mensonge, j'ai passé ma vie à apprendre et pourtant je sais moins de choses que le nouveau-né. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour finir avec un fantôme, comme un fantôme sans yeux. Hein. Bon, bah, je vais retourner où c'est que j'étais tout à l'heure. Parce... Oui, oh, il n'y avait personne. Non, merde, c'est le tableau, je crois que c'était la porte. Là, je crois qu'il y a des balles. Non, c'est un tableau, tout pourri. Il s'étonne qu'ils ont des. Ah, c'est la page du chapitre. Oh, je vais laisser la cinématique. Vous l'avez pas vu tout à l'heure. Donc en fait, l'histoire du jeu, c'est que le livre, il réunit, enfin, il fait plusieurs élites au cours des époques. Et nous, en tant que dernière élue, en tant que dernière élue, on récupère toutes les pages du livre et on apprend l'histoire petit à petit de chaque élu. Ce qui ne veut pas dire qu'on comprend l'histoire quand même. Hein. Ah, ça, ouais, d'accord, c'est un bug, j'avais pas eu ça tout à l'heure. J'aurais dû sauvegarder une fois que j'avais tué le gros monstre tout à l'heure. Et ça, c'est donc c'est Jérémy Morvan, ça. That it changes all life around it. It must be mine, Kareem. If you truly desire me, as you say, then you will find this for me. Bring this treasure to me, and I will be yours. Both of our dreams. Mais t'es possédé, mais j'ai compris. Tu veux le trésor de Karim. Parce que pour l'instant, à chaque fois, les fins de chapitre, ça finit pas très bien pour les élus, hein. Mais t'es une ennemie, toi. Je les ai pas écoutés non plus. Je les ai pas. Je me suis toujours dit, ah bah faut que je le fasse et tout, blablabla. Et je. Ouais, je vais. Non, je vais accélérer. Je sais pas où faut passer là. Donc là, l'élu, voilà, on va. Ça, c'est le portrait de tous les élus qu'on a fait jusque-là. Bon, bah, ça, c'est Puce, mais on voit plus très bien Puce. Ça, je sais plus comment elle s'appelait. Elle était genre Cambodge, elle. Enfin, j'avais l'impression. Et ça, c'était Anthony, le petit français. Je pense que c'est. On devrait dire Antoine, je pense. Qui était un chevalier, enfin. Un chevalier de Charlemagne, enfin c'est pas un chevalier mais c'est un servant de Charlemagne. Ah, tout à l'heure j'ai essayé de mettre non hein, pour voir ce que ça faisait, bah en fait ça fait rien. Il attend qu'ils disent oui. Ah oui c'est vrai qu'il t'a qu'une épée au début. Mais non c'est lui que je vais taper. C'est le grand là, le grand, tape le grand, tape le grand. C'est bien qu'on leur coupe la tête, ils se tapent entre eux après. Ah, c'est son copain. C'est son copain qui a tué le grand. Allez hop, on tue le grand.
Donc, surtout qu'on a pas, on a pas mal travaillé sur Chroma aujourd'hui. Ça m'a redonné envie de regarder. Quoi, quoi, toi là? Qu'est-ce qu'il y a, toi là? Tu as un coup de Scramasax? Non, c'est un Tulvar, ça. Tiens, tiens. Tiens. Oui, bah prends ça. Il est pas réveillé l'autre. Lui, il a pas le droit de mourir. Bon. À mon avis, il va avoir deux tours, ça va être au retour. Quand on va vouloir sortir du. Ah, non seulement on est dans le passé, ils sont morts, mais ils sont morts de façon assez tragique quand même, hein, les élus du livre. Hein. Franchement, moi, si je voyais le livre, je me barrerais parce que. Ah non, oui, c'est vrai, il y a une échelle là. Du coup, ouais, ok. Pauvre Anthony, quoi. Anthony, il est carrément devenu un monstre, un zombie, quoi. Ah oui, c'est ça. Bah, tout à l'heure, j'ai réussi à le faire sans torche, en fait. J'arrive, j'arrive, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il les tue tous il en a tué une. Bah Pius c'est un peu devenu le serviteur de la du dieu vilain. Mais c'est vrai qu'il était pas trop impliqué pour Anthony. Ça va vite quand on connaît le chemin. Enfin, en même temps, c'était pas pour. Non, pas la torche. Est-ce que je bousille mes chakrams? Je peux en. Ah, je peux pas sauvegarder là. Ah, je peux pas. Ah, si, je suis obligé. Je suis obligé de les tuer. Non. Voilà. Tout à l'heure, je les avais tués, mais ça sert à rien en fait. Là, je peux sauvegarder, là. Ah, cool. C'est déjà ça de fait. Tout à l'heure, j'avais enchanté mon arme. Parce qu'il y a des ennemis un peu durs qui vont arriver là. Non, pas encore. Lui, d'accord. Est-ce que je prends le Audrey Tulvar? Oui. Et là, il va pas être content. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, hop. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai deux Tulvar. Ok, je sais pas viser. Ok, c'est toi qui m'as tapé. Ok. First attack, c'est pour toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'il y a un monstre qui sort du corps? Tu croyais quoi? Franchement, tu pensais que ça allait. Où il est le gros là, le gros bleu là. Allez, tu en as, t'as le temps. Bon, ok, t'avais pas le temps.
Non mais oh. Il va être là, je crois. Je crois qu'il est là. Je pense que ça a fait mal tout à l'heure quand j'avais enchanté mon arme. Même si normalement faut l'enchanter de la couleur opposée au monstre. Parce qu'il y a trois couleurs dans le jeu selon ce qu'on choisit, tout ça, blablabla. Ah. Ok. Achève-le. Tout à l'heure, j'avais pas eu le temps. Par contre, ah, il m'a inspiré toute ma magie. Ouais, ça donne pas. J'y suis allé un peu bourrin. Là, tout à l'heure, je l'avais mieux. Là, il va y avoir un petit monstre là qui m'envoie dans les autres dimensions. J'ai pas envie d'y aller. Je sens que lui, il va ramener le trésor là à la fille. Et la fille va s'avérer être un monstre. Ça va être Pius! Ah non, Pius, il prend pas la. Ah d'accord, carrément! Ah ouais, mais donc je peux. Ah, mais oui, je peux enchanter maintenant! Ah non, je l'ai pas encore, ok. Après, je pourrais enchanter de couleur verte. Là, j'ai plus de psychisme que tout à l'heure. Ok, bah c'est là que je suis mort tout à l'heure. Pas envie de tout recommencer. Je suis sûr que c'est les derniers tout à l'heure. Non, ça va prendre du temps de. Joli. Reste au sol, toi. Ah, ça a coupé le sort. Nul ça. Je peux sauvegarder entre deux phases. Non. Là, il y a personne là. Non, bon, ok. Ah, trop loin.
Oh, c'était beau ça. Suivant. C'est la petite merde qui m'a tué tout à l'heure là. Celui-là qui est sorti de son corps ou de l'autre. J'ai pas réussi à le viser. Tue déjà celui-là. Il est où? Ah, il y en a deux. Oh mince. Eh bah ça s'est bien passé. Y'en a d'autres? Je pense pas. Je pense maintenant que je peux enchanter l'arme avec... Ok. Je peux pouvoir enchanter l'arme en vert. Alors pour expliquer à Bloobs, au début du jeu, on incarne Pius, un Romain, et on a le choix entre trois divinités. Le bleu, le rouge, le vert. Et on a choisi la divinité des vertes, ce qui fait que tous les ennemis sont principalement dans le jeu seront des ennemis verts. Alors, il y aura les autres des fois un peu. Ils ont tous un peu leur particularité. Même on a des cinématiques avec... Pardon. T'es où? Tu m'as vu, c'est ça? Du coup, elle était où la porte avec... Eh bien, elle était là. Donc, faut que j'enchante mon arme en vert. Enchanter un objet. Jeter, oui. Vert. Donc ça, c'est la... En fait, le vert, enfin, c'est plutôt la verte, c'est une déesse. C'est elle qui jette le... Qui nous... Et le bleu, il est plutôt un peu plus grave, lui. Oula, ça a baissé vachement là. Ok, c'est des bleus. Les bleus, ils sont chiants. Ils m'ont... Ça m'a baissé toute ma... Mon... Oh là là, ils m'ont tué tout mon psychisme, les bleus. Là. Et chaque monstre a un... chaque couleur a un point faible. Alors je crois que les bleus, ils sont sensibles au vert. Les verts sont sensibles au rouge. Et les rouges sont sensibles au bleu, un truc comme ça. Mais j'arrive, attends, arrête de m'appeler. Alors, je sais pas si vous entendez, mais... Ok, là, il y a... Examiner. Le plafond du couloir s'est effondré, le sol est jonché de débris. Il y a une échelle, là. Je sais pas si ce serait pas un passage secret ou quelque part, là, ou... Ou si, alors, je vais carrément mourir. Okay. Parce qu'il y a aussi des... Il y a aussi des runes cachées dans le jeu. Ok. Il va faire mal, lui. Ok, je crois que les bleus aiment pas le vert. Vas-y, achève-le. Je crois que les bleus sont sensibles au pouvoir vert, hein. Examiner. Détail. Une sculpture respiratoire faite de peau d'os humain. Un chevalet composé d'os humain se trouve au centre de cet hôtel. Tel la plupart réclamant qu'on l'utilise. Ok, qu'est-ce que je dois mettre? Ok. Bon, j'ai peut-être pris le bon chemin. Parce qu'il y a aussi un dieu violet qui a l'air de nous aider dans le jeu. Et le dieu violet, voilà. Ok.
Il a l'air de nous aider, mais pas trop. Et le dieu violet, il fait mal à tous les monstres. J'aurais peut-être dû récupérer de la vie. Et le dieu violet, on peut pas le choisir au début. Ouf. Ah ouais, il y avait un monstre violet, donc le vert a essayé de taper le violet. Ils ont leur petite priorité, hein. Oh merde. Ah merde, j'ai cru que j'allais pouvoir t'esquiver. Oui, mais voilà, sélectionne le bon. Ah non! Mais il y en a combien? Faut que je fasse un truc? Bah oui, j'ai presque plus de vie, je sais bien. Il y en a encore un? Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah oui, évidemment, au bout d'un moment... Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller voir l'échelle déjà. Il y avait quoi à cette échelle là? C'est encore un truc tank et faut que... Peut-être que j'y aille avec plus de vie. Oui. Ah, il y a quoi ici? Ok. Il y a des petites merdes. Oups. Apprends à viser. Il y en a plus. Ok, c'est quoi ça? Au milieu de la pièce, une effigie, un rubis posé sur la pièce d'estal. Bon, à mon avis, il faut que... Tout ce qu'il y a ici? Ok, il n'y a que ça. Je sais pas s'il est long encore le chapitre là, mais... ouais, c'est encore enchanté ça. Sauvegardé tout à l'heure, je sais plus. Bon, on va essayer de... Hey, ça fait quoi ça? Non. Je peux partir sans le livre? Ah non, je suis obligé de le ramasser, ok. Ah, je sais pas si je dois faire quelque chose de spécial pour dégager le pouvoir vert là. Ah mince, je croyais que t'étais mort toi.
Ah, j'ai regardé. Ah, ça va, j'ai. Je sais pas, j'ai réussi à esquiver. Allez, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Ah non! Ah oui, d'accord, je les affiche pas, ils se relèvent. Non, pas lui, lui. Je vous fais là, toi. On se fait du bien de psy, comme ça. Combien? Ok. Ah, je vais pas avoir le temps de l'enchanter. T'es quelle couleur, toi? Ah non, en fait, c'est ça, c'est cette arme-là qui te fait mal. Ça te tue les trois têtes en même temps, ça? Oh, ça fait du bien. Ça, c'est un des artefacts qu'on n'a pas pris au début, justement. Qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut s'allier avec Karim, ce dieu-là? Je me rappelle pas du tout ce. Je me rappelle. En fait, je me rappelle tellement pas de ce jeu en fait. Non, je suis revenu en arrière là. C'est au départ, justement, on arrive dans cette salle-là, puis on avait trois choix. Et donc là, le vert n'est plus là. Parce que c'est Pius qui l'a pris, le rouge n'est pas là, je sais pas pourquoi. Une statuette bleu pâle flotte gracieusement au-dessus du piédestal. Quoi ça sert ça? Mais regarde, mais tu vois bien que. Bah oui, c'est de ta faute. Un piège. Ouais. You lied to me. Betrayed me. You really don't look so good anymore. Okay. You must forget the past. Despite who you are now. Juste parce qu'il a pris des coups de couteau, voilà. Just as I am. But the sacrifice must be made. We must remain here and guard the artifact. Dark things will come to claim it. You must be strong to keep it from them. Without your sacrifice, the world will fall into eternal darkness. The things I do for love. Voilà, donc il s'est fait avoir. Ou alors on va le revoir plus tard dans un autre chapitre, peut-être.
Oula, carrément. Pourquoi elle est dans ce bureau? C'est pas là que t'as. À chaque fois que tu lis un chapitre, tu retournes dans le bureau? Eh bien. Bah du coup, je peux enchanter mon arme en verre et j'ai vu qu'il y avait une serrure. Ouais. C'est lui en plus. Je crois que c'est lui. Non? Oh, peut-être pas. C'est là, je crois. Faut que j'aille dans la cuisine, il y a une serrure verte, justement. Ah, téléphone. Attends, il y a quelque chose par terre? Que le téléphone n'a pas vraiment sonné. Genre ça t'étonne encore. Ah d'accord, pour le rétablissement, pour du psychisme, faut que je mette rétablir, mais la couleur verte. D'accord. J'aurais pu faire ça tout à l'heure. Parmi les objets de l'office se trouve un pot à épices à l'intérieur duquel est caché un bout de papier. Ça va être un chapitre. Y'a rien d'autre? Cuisine aussi vide que la bibliothèque est riche. Il partie de l'esprit de mon grand-père. Son grand-père, ça va apprendre, lire et étudier plutôt qu'à manger. Moi, c'est le contraire. Examiner. Le pot à épices en verre était pleinement fermé. L'auteur subtil était vraiment alléchant des épices. Dorian s'en échappe. Il y a un morceau de papier à l'intérieur. Bah oui. L'horreur qui rôde, Alexaki, nouvelle page du chapitre, l'horreur qui rôde. Oups. Alors des fois les cinématiques sont accélérées genre x10. Hein. Et donc ça c'est la divinité verte. Et ça c'est le Romain qu'on a manié au début et qui a choisi la divinité verte. I will begin the final incantation that bring you into our world within days. The next millennium will truly usher in a new age. Your audience, now prepare the gate. Donc après, apparemment, ce qu'on a compris du dieu violet, c'est un peu lui, c'est un peu lui le taulier, mais les autres dieux ont commencé à prendre plus de pouvoir. Et en choisissant un des dieux au départ, et bah, le Romain là, il fait tout pour que le dieu, bah, la verte. Ici, la divinité verte surclasse le dieu violet pour que pour prendre le pour qu'il prenne le pouvoir. Alors que le dieu violet, pour l'instant, a l'air sympa, quoi. Il est moche, on l'a vu, hein. Il est très très moche. L'horreur qui rôde. Ah bah c'est le grand-père. Ah non, c'est pas Maximilien. C'est encore plus loin. I feverishly began to read more, eager to learn his story. It seems that Maximilian had inherited his father's mansion, just as I had. Alone since the death of his wife, and since his children had their own adult lives, he explored the house to discover his family. Ok, en fait, le chapitre va se passer dans le manoir. Et genre, je suis sûr, on va découvrir un passage secret qui va nous indiquer plus tard, enfin, quand on aura Alex. Mais c'est triste comme jeu, tout le monde meurt. Ramasser. Pistolet flintlock. Oh, on va avoir des flingues. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de flingues. C'était pas trop l'époque.
Ah mince, attends, non, je voulais visiter encore la. Ok, t'as des bouquins. Des rapports, mais il est médecin. Et donc, les tableaux pourris, ça date de cette époque-là. Enfin, ils avaient déjà. Un petit recueil de notes, préférences et rapports médicaux. T'aurais pas une lampe sur toi, genre un. Non? Ah, d'accord, t'as déjà le flingue. Je me rappelle que les époques avec les petits flingues comme ça, c'est chiant parce que ça tire une balle tous les quarts d'heure. Donc, j'ai un peu, mais genre, les épées, c'est mieux en fait. Ok, musique rythmée. Je sais pas pourquoi. Pardon, monsieur domestique. Ah bah c'est, ok. Le cabinet intérieur des cris était cool. T'as pas une petite bougie sur toi, quelque part à récupérer là? Oh, c'est quoi cette porte là-bas? J'ai pas cette porte moi. La porte du cathédrale domestique est bien fermée, pourtant Maximilien ressent une vive inquiétude. Quelque chose d'effrayant se tient derrière la porte, et Maximilien sent son sang qui se fige. Comment tu sais qu'il y a quelque chose d'effrayant derrière la porte? Est-ce que c'est une porte ça? Ah, c'est un puzzle? Un vitrail aux couleurs. Ah non, respondant à l'exécution remarquable. Le vitrail a quelque chose d'étrange, peut-être c'est un tatil au détail curieux de sa forme et de son contenu. Bon, il y a juste le troisième œil, c'est ça? C'est Doki Doki Literature Club? Juste Monica? Qu'est-ce que tu regardes? Bon, bah on va descendre. Ah, elle est en bas là, c'est l'horloge qui est en bas dans notre époque. C'est quoi cette musique? C'est une zombie, tue-la. Incliné. D'accord. Wow, qu'est-ce que. Ça va servir à quoi ça? Je peux le faire de l'autre côté aussi? Apparemment. Alors autant je me rappelais de Karim. Enfin je savais que le personnage Prince of Persia, il y avait un personnage comme ça quoi, mais lui je me rappelais pas du tout quoi. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une lettre ouverte est posée sur la table. Ah bah c'est. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lire. Lettre numéro 2. Une lettre couverte d'une écriture paniquée et épaisse. Cher ami, cette maison a été abandonnée par les anciens. J'ose plus y entrer de peur qu'il ne m'arrive quelque chose. Je vous conseille de partir également. Emportez le livre avec vous. Son pouvoir est encore plus grand que vous ne le pensiez et pourrait bien faire basculer l'équilibre des forces en notre faveur. Ah, Raven. Ah, ça doit encore être un autre ancêtre. Bah, c'est son père qui est mort. Allons en cuisine. Parce que, genre, on l'a vu, le manuscrit, enfin la page dans la cuisine. Alors, il y a peut-être quelque chose. Tiens, bah, ok, une rune qui est cachée là. Voilà, là, c'est là qu'on a récupéré le. Bon, il n'y a rien. Ok. Un bras de pompe posé sur un tonneau, pourquoi est-il ici? C'est une arme, ça? Ah non. Ouais, peut-être, ouais, mais je me rappelle pas du tout de ce perso. Tout en vacant à ses occupations, la domestique confie à Xanature que l'air est chargé d'une étrange. Oups, qu'est-ce que je fais? Une étrange qualité, ce commentaire insolite, trouble. Pourquoi t'as dit cela? Bon. Ok, là, il y a rien en fait. Ok, ça a l'air d'être là. Ah! On récupère plein de munitions. Est-ce que c'est ouvert ça? Parce que à mon époque c'est fermé ça. Ok. Il y a quoi? Ah non, c'est pas fermé. Si j'ai accès à ça. Là, il y a même un piano ici.
Donc là, ok, ça y est aussi. Il y a quelque chose écrit sous l'image. Quand les ténèbres s'épaissiront devant l'émirie de Xélotat. Alors l'ennemi sur. Attends. Ah oui, d'accord. Vert qui pointe vers le bleu. Donc à mon avis, vert il fait mal au bleu. Bleu fait mal au rouge. Rouge fait mal au vert. Quand les ténèbres s'épaissiront devant l'émigérie de Xélotat, le chemin de la vérité apparaîtra. Ok, il va falloir faire. À dire que c'est lui l'ennemi de Xélotat. Voilà. Eh bah dis donc, le passage secret, c'était dur. Hein. Oh, ok. Non, je m'en fous de ça. Ah ouais, je peux en avoir deux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le livre! Voilà le livre. Oh. C'est quoi ça? Ça, c'est un sort, ça? Non. Ah oui, pas je... Il compare de... Révélation de l'invisible. Normalement, là, tu vois, là, t'es en trois positions du livre. Ok. Ah bah, rien. Je crois qu'elle l'a bien pris, la femme de ménage. Ok, il y avait une lettre. Lettre numéro 3, j'ai pas la lettre numéro 1. Cher ami, comme je le suspectais, les ruines de Gengengeng, la nécropole détruite sont situées juste sous la maison. Les serviteurs maudits de l'ancien Xélotat sont si... Et donc là, si par exemple on aurait choisi la divinité bleue, ça aurait été le bleu à la place de Xélotat. Ils sont si proches que je peux presque les entendre qu'il s'agit-il d'une ouverture secrète au sous-sol qui permet d'y accéder. Une ouverture secrète au sous-sol qui permet d'y accéder, ok. Possédez-vous de rassembler des hommes et de sceller l'entrée au mieux en détruire ce lieu damné. J'ai dissimulé quelque chose qui vous serait à l'étage. Regardez dans la lumière et vous la trouverez. J'aurais aimé être... Oh là là. Tu laisses mes domestiques tranquilles, toi, là-bas. Où qu'il est? Ah. Ok. Oh, ça prend 2 heures à recharger. Ah, elle est en train de le taper? Ah non, c'est moi qu'elle tape. C'est moi qu'elle tape. Ok. Ah, ils me font mal à mon psychisme. Effectuer autopsie, d'accord, carrément. C'est comme ça qu'il se rassure dans la vie, lui. Maxime a noté quelques données dans son journal, ça ne peut être que suite. D'accord. Après avoir observé. Ah, effectué une autopsie, Max peut consulter son compte-rendu dans la section journal du livre en sélectionnant autopsie en bas de la page. C'est autopsie que vous voulez consulter. Hein. Horreur de Xélotat. Les yeux sont. Ça, j'avais remarqué. Elle utilise beaucoup plus sa vue que son ouïe. Ok. Ah mince, je l'ai pas achevé. Ça redonne pas grand chose, hein. Ça va, tu le prends bien, toi?
Qu'est-ce que je vois pas? Est-ce que ça serait ça? Ah ben non, j'ai pas encore tout. J'ai pas Radgor mort. Est-ce que je peux sortir? Ouais, de toute façon, moi je vais pas. Bonne nuit, je vais pas jouer longtemps. Hein. Je peux peut-être finir ce chapitre. Si j'y arrive. Ah, y a pas de porte là. Ah, d'accord. Oh, ça sent la révélation de l'invisible. Alors c'est quoi qu'il disait dans la lettre? Tiens, déjà, oui, c'est pas bête ça. Au sous-sol. Comment je vais au sous-sol? Ça grouille là. Ok, il est là. Ok, ça n'a pas très bien marché. Ah oui, il y avait une histoire aussi de lumière là. Cher ami, comme je le suspectais, la nécropole détruite sont situées sous la maison. Le serviteur m'a dit de... une situation qui permet d'accéder. Pressez-vous de rassembler les hommes. J'ai dessiné quelque chose qui vous serait utile à l'étage. Regardez dans la lumière que... et vous la trouverez. Ok, à l'étage, regardez la lumière. Ah, attendez, l'étage. La lumière. Ouais, peut-être le vitrail. Ou je regarde juste s'il y a quelque chose, là, si je peux regarder un lustre ou un truc comme ça. C'est peut-être le vitrail. Il y a quelque chose derrière le... à gauche là. Ça doit être ça. Max s'aperçoit qu'une enveloppe se trouve derrière le piédestal. Peut-être est-elle tombée là ou bien y a-t-elle été cachée. Cette découverte excite la curiosité de Max, mais en même temps il a l'étrange impression que quelque chose de malfaisant se dégage de la lettre. Doit être... oui. Ah, c'est avec le bleu. Petit coup de pied qui va bien. Ok, bon. Prendre de la cire est une... Il y a apparemment quelque chose de lourd à l'intérieur. Là se trouve une lettre adressée à un des aides du père de Max. Clé du sous-sol, ok. J'ai pas la lettre numéro 1.
Cher ami, comme je le soupçonnais, les bêtes se rapprochent. Il semble qu'elle avait récupéré le livre à tout prix. J'ai pris des dispositions pour empêcher qu'elles ne mettent la main sur la clé qui se trouve dans cette enveloppe. Si vous deviez tomber dans leurs griffes... Si vous deviez... L'enveloppe contenait la clé est cessée par une magie destructrice. Si quelqu'un qui n'est pas aligné avec nous tente de l'ouvrir, la magie libérera son pouvoir. Infligeant douleur et souffrance et tournera son énergie psychique, si tant est qu'il en soit doté. D'accord, bon, j'ai la clé du sous-sol. Maintenant, il me faudrait la porte du sous-sol. Il n'y avait pas de bibliothèque. Pourquoi il n'y a pas de porte pour aller à la bibliothèque, là? Waouh, c'est quoi ce bordel? Ça sert à rien. Ok. Ah, c'est lui qui a la rune pour révéler l'invisible. Ah non, mais bug pas. Il n'y a pas de truc pour remettre de la vie, il faut que je fasse gaffe quand même. Ah bah, je dis ça. Rétablissement. Et je pense que ça va... Ok. Mais Ah, peut-être que si, je peux peut-être le créer. J'ai besoin de quoi? Narocat, Red Gomor. Alors Narocat. Attends. T'as pas besoin de les... Ah, oh, je peux ouvrir la porte là? Ah d'accord, je suis... Ok. Je pense que là, je dois révéler l'invisible. Non. Peut-être que je dois révéler l'invisible avec son ennemi. Bah mince. Je pense pas que ce soit rétablissement. Là, normalement, il y a une porte. Ah, mais normalement, dans le futur, il y a une porte. Alors, peut-être que là, il y a une porte aussi. Absolument pas. Une lumière froide une carrousel, la ménage à pourri de fait tous les jours, la maison n'est jamais vraiment propre. Et lui, il me dit, vous le voyez pas? Je vais faire révélation de l'invisible avec tous les... Il me
Parce que le majordome, là, enfin le servant, il disait vous êtes aveugle, vous le voyez pas ou quoi? Et en même temps, on vient de me donner la rune rouge. Oh, ta voix un petit peu grave, toi. Ah, d'accord. Ben, je l'ai pas fait tout à l'heure. Ah non, j'avais fait le bleu, mais j'avais pas fait le rouge, c'est ça? Ok. Tu passais par là, toi. Ça ressemble à un sous-sol. Oula, vous êtes résistant, vous, hein? Ah oui, je l'avais pas autopsié, lui, effectivement. Autopsie, ouais, est-ce que c'est vraiment zombie? Une fois coupés, les membres se reconstituent à la manière d'entités fantômes psychiques à ceux qui sont les témoins. Les bandages de la momie sont extrêmement inflammables, prennent feu très facilement. C'est un autre sort, ça? Champ de force. Ah. Ok. Tu ranges un peu tes munitions dans n'importe où, hein. C'est dangereux quand même. Évidemment qu'il y a une échelle. Donc toute l'eau va dans le seau là? Ah, c'est un seau sans fond. Ok. Ok. T'es pas vraiment descendu en fait? Ok. Ah, c'est pas les mêmes. Rapide pour faire des autopsies quand même. Surtout sur des êtres pas forcément connus de la science, quoi. Cette vision laisse. Ce genre, ouais, c'est sous la maison, ça. Cette vision laisse Max incrédule. Les ruines désolées d'une cité fantastique, construite au sein d'une immense grotte naturelle. Les flèches et les édifices percent l'épais brouillard. Des faisceaux de lumière traversent la cité, crépitant sous le sillage de l'énergie qui s'échappe d'une source de lumière maintenue dans l'air par des forces invisibles. Non, ben, je sais pas le. Genre, si jamais je l'ai pas récupéré, à mon avis, elle doit être importante. Si je l'ai pas récupéré, on ne laisse pas passer. Du coup, à mon avis, tout à l'heure, avec Alex, il va falloir que j'aille au sous-sol. Je devrais peut-être pas aujourd'hui, mais. Ok, c'est tout noir. Ok. Je sais plus si je la vois la porte, moi. Ok. Oh, genre, oui, effectivement, je les connais pas, ceux-là. Ah, tu crois m'avoir comme ça? Ce serait pas un boss? Ah non, c'est champ de force, d'accord.
Ah, il peut invoquer des trucs. Où c'est qu'il va? Mais... vise-le! Ah, c'est un champ de force. Ah oui, bon, d'accord, j'ai que 3. Lui, il fait des magies à 5. Ah, j'ai pas tout. Bah si, je dois l'avoir en fait. Oh, tu veux pas? J'ai genre plus de magie, c'est ça? Si. T'es où? T'es parti où? Attends-moi. Il y a quelqu'un qui parlait... Loupé! Ah, t'aimes pas là. The accursed beast was dead, but not without its toll on me. That was but one, and there was an entire sea of them. I could not hope to fight them all alone. I knew I had to get help. Qu'est-ce que tu vas faire? Trois mois plus tard, d'accord. D'accord. Ils ont foutu à l'asile. Ah d'accord, c'est la vision qu'il avait eue. Ouais, oh, la fin elle est un peu... T'as l'impression qu'ils ont un peu laissé tomber le chapitre. À suivre. Vous avez remporté une victoire, mais la guerre contre les ténèbres est loin d'être gagnée. Mais ce jeu quoi. J'y ai vraiment cru alors que je le connais. Ça c'était marrant ça.
coup, est-ce que je peux révéler l'invisible, moi? En fait, c'était juste ça, c'était juste pour obtenir le sort, révéler l'invisible. Mais non, mais moi, d'accord, moi je peux pas aller là. Est-ce que je peux récupérer la clé ou elle était cachée? Ok. Ah, c'était le. C'était la chambre des. On va falloir faire une petite révélation de l'invisible. Je regarde juste si. Ah ouais, je crois que selon le dieu qu'on choisit, c'est pas la même chose. Je vais pas finir le jeu trois fois. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans cette partie du haut, la tapisserie est bizarrement posée, comme si le mur sur lequel elle se trouve n'était pas de niveau avec le reste de la pièce. Moi, je veux bien te suivre, tonton, mais... Ok, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah, mais c'est ça, les 3-1? Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas le même. Ça, c'est le grand-père, ça. Il fait trop noir ici pour pouvoir y voir quelque chose. Le circuit électrique doit être endommagé. Si maintenant vous remarquez ça, il fait nuit partout, hein. Ça servait à rien alors tout à l'heure les conneries d'escalier là. Oui mais toi ça va, c'est t'es la statue de ma d'Atartata qui tu fais pas peur. Là je peux pas le faire. Oh tu saignes. Ou alors, attends, il y avait un passage secret sous la cheminée aussi. D'accord. C'est quoi ce truc exactement? J'ai pas compris son histoire de pâtisserie là. Ou de tapisserie. Dans cette partie du hall, la tapisserie est bizarrement posée. Comme si le mur sur lequel elle se trouve n'était pas au niveau. Bah ouais, non, mais d'accord. Genre le mur, voilà, il est pas d'origine quoi. Pardon.
Moi, je veux bien récupérer genre la clé du sous-sol, un truc comme ça. J'arrive, Pius, j'arrive. T'inquiète pas. Bah, je sais pas, j'ai fait toutes les révélations de l'invisible. Faut que je fasse la révision de l'invisible dans le bureau. Ah oui, d'accord, faut pas que je bouge. Non, il n'y a rien d'invisible. Ouais, bah, n'empêche que tout à l'heure, il y a eu un bruit dans l'appartement, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il est trop tard pour que je comprenne ce que je dois faire, c'est ça? Merde, on avançait bien là. On a fait deux chapitres, enfin voilà, on a trouvé ce qu'il fallait faire. Cet affreux cauchemar est terminé. Bah merde! Je comprends pas ce qu'il faut faire. J'ai un peu fait toutes les pièces là. Examiner quoi? C'est quoi cette histoire là avec le fantôme là qui est passé? J'ai pas fait champ de force. Je vois pas ce que champ de force pourrait faire mais. Il me semble que j'en ai fait toutes. Ah, j'ai peut-être pas fait. D'accord, j'ai peut-être pas fait les chambres là pendant ce chapitre-là. Oui, ça c'est. Voilà. Toujours des tableaux moches. Moi, je veux bien que c'est sinistre comme endroit, mais c'est pas une raison pour avoir des coups de chiottes au point de vue artistique. C'est-à-dire, bon. On peut avoir une maison sinistre et mettre des beaux tableaux, hein, c'est pas interdit. Salut. J'aime bien lui, moi. C'est la statue de ta Art Attack. Le coffre. Il y a un coffre. Ça, c'est un truc invisible.
Mais oui, c'est ça, ils l'ont dit tout à l'heure. Je l'avais lu, j'avais pas compris ce qu'il fallait. Je crois qu'ils m'ont montré ça. Ok, c'est pas lui. Voilà, ok, c'est lui, en fait, c'est l'ennemi. Mais oui, tout à l'heure, en plus, on a été voir. S'il n'y avait pas de serrure, c'est juste qu'on la voyait pas. Ok, un flingue. À l'intérieur, se trouve à voir la finition chromée et une page à bien. Revolver. Ah. Accélérons les cinématiques. Moi, je pense que cette divinité, en fait, il n'y a pas deux personnes, hein. Je pense qu'elle est schizophrène. Voyage au cœur des ténèbres. Ah, c'est tentant quand même, hein. On commence à récupérer des armes avec Alex. Ah, c'est la partie Indiana Jones. Je me rappelle de lui. Du coup, on va retourner dans le temple en Perse. Ah non, c'est au Cambodge. Mais ouais, donc il y a un autre temple au Cambodge. Dr. Edwin Lindsay took it upon himself to investigate the area, to reveal the Bah oui, le temple au Cambodge, c'est là qu'il y a Mantorok. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. D'ailleurs, je me rappelle d'un truc avec Indiana Jones, il y a un passage secret à un moment. A collector of rare items who professed an interest in the discovery and agreed to help. After a dysentery-riddled two-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple dating back to the 12th century. Est-ce que je le fais maintenant ou j'attends? Ok, donc ton compagnon, c'est un traître. Je te le dis. On voit sa tête. S'il a la tête du méchant de Roger Rabbit, c'est un traître. Mais ça se voit trop qu'il est possédé par le démon. Regardez-moi ça. C'est le mélange de Voldemort et de Gollum. Comment on peut pas y faire confiance? Bah voilà, bah, au moins il attend pas. T'as vraiment cru qu'il était vivant? Mais regarde sa tête. You are a scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more En fait, c'est un peu mélange Indiana Jones et Empire colonial britannique à sa tenue. D'accord, carrément. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah ok, on commence comme ça. Je peux les autopsier? Brosse d'archéologue, munitions, torche. Ouais, c'est pas mal ça. Ah si, il a un Kukri. Ok, je t'ai loupé. Qu'est-ce que je de poussière Il y en a un autre? Non, il n'y a pas l'air.
Bon, je crois que je vais arrêter là quand même, hein. Je ferai ça. Ah, on arrive à 1983, on avance, hein. On a fait un joli bond en avant, là, hein. J'ai pas regardé combien on était. Oui, oh. Ça, il y avait, ouais, il y avait le collier. Ouais, je m'arrête là. On continuera plus tard. N'empêche qu'on a avancé. On a fait le chapitre de Karim Debbache et on a fait le chapitre du vieux là. Bah donc merci d'avoir suivi pour ceux qui étaient là. Bonne fête de la musique et à bientôt.